Littré, on continue. Hier, le mot histoire m'est venu en cherchant le mot homme. Je n'ai pas regardé, évidemment, on va le découvrir ensemble, c'est le principe. Mais ce dictionnaire aussi, il a une histoire. Même si, paradoxalement, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers pas beaucoup. On a toujours ce préjugé de penser, ouais, t'es écrivain, une feuille, un crayon, ça suffit, mais... Je crois que même moi, quand j'ai commencé 77, là, c'était à prendre ça sérieux. Bah, d'abord, il fallait une petite machine Olympia rouge. Je crois que c'était dans les 600 francs de l'époque. Et puis, quand c'est parti à devenir vraiment mon premier bouquin sorti d'usine, je me suis acheté une petite Smith Corona électrique. C'est un bruit énorme. Là, ça coûtait 1200 francs. Et puis, ensuite, j'ai changé pour une... un peu plus silencieuse, Smith Corona aussi. Et puis, c'est une période où j'avais pas beaucoup de sous, mais en fait, je corrigeais des thèses d'étudiants étrangers, dont une sur Proust. Quelquefois, je lui rajoutais des passages, je lui disais, bon, mais attends, ça, c'est moi qui ai pensé à ça, tu l'enlèves. Non, non, laisse. Et pour ça, je m'étais acheté une machine IBM à sphère, et puis ensuite, c'est passé à... une machine électrique Adler quand je suis arrivé à la Villa Médicis avec ma machine électrique Adler en 84. J'étais un traître à l'histoire de l'écriture. Donc tout ça, ça a commencé bien avant l'ordinateur. Mais c'est juste pour situer l'échelle de prix, c'est-à-dire ce dictionnaire. Donc c'est vraiment le moment où, 1980, où j'étais dans ce premier manuscrit sorti d'usine. J'avais mon petit Robert que je traînais depuis le collège, probablement. Et évidemment, c'est un outil formidable, mais évidemment, il fallait passer à l'échelle supérieure. C'est pas tant ce que nous donne Littré sur les contenus, parce qu'en étymologie, c'est pas une science qui était constituée. Comme là, j'ai mon dictionnaire d'étymologie de Jean-Loïc Lequelec. Ça, c'est des outils de travail aussi. Que la façon dont on réfléchit la langue... par l'usage qu'en ont fait les autres. Un peu comme le grévisme, mais lui, c'est du XIVe siècle jusqu'à Chateaubriand. Et à l'époque, il y avait évidemment beaucoup de marchands d'occasion, en particulier vers la Sorbonne, la rue Saint-Jacques, une rue qui descend. Et je crois que c'était un vrain occasion, il me semble, hein. des trucs en entresol, des petites galeries très noires, évidemment que des livres universitaires. Et il y avait ce rayon dictionnaire, et là je l'ai trouvé, et c'était 700 francs. Donc pour ça je vous situe, c'était quand même un investissement, quand vous avez lâché votre boulot, puis que vous êtes sur un manuscrit sans rien du tout savoir. Alors j'avais dit au gars que je l'achetais, j'avais fait un chèque, et puis le lendemain j'étais revenu avec un sac, on dit sac de sport, mais bon le sport c'était pas mon truc, hein. Et j'ai ramené ça et je l'ai utilisé, je l'ai traîné dans tous mes déménagements, partout où on allait, même si c'était en Allemagne pour un an. Hop, t'as Littré dans le sac, tu peux pas travailler sans Littré, pas plus que sans machine à écrire. Et puis j'ai regardé, j'en ai toutes premières photos dans la partie dans mon site. Il y a une partie webcam et les premiers trucs avant même que j'ai des photos numériques. Je fais juste avec une petite webcam. Des clichés, c'est le moment où j'ai commencé à utiliser des images dans mon site internet. Donc lui, il datait de 1998 et c'est en 2002. En 2002, j'ai acheté ce CD-ROM Littré. Et donc, on glissait le CD-ROM, on l'ouvrait, etc. Et puis, un moment est venu où j'ai copié le CD-ROM sur le disque dur. Et puis, du coup, c'est toujours ce fichier ressource-là intégré au dictionnaire. Allez, histoire. Telle est l'histoire de mon dictionnaire. C'est un usage du mot histoire. Je suppose qu'on va en trouver d'autres. Hum, H-U-M, humanisme. Mais hum, c'est un mot comme les autres aussi. Tu me dis ça, hum. Mais on n'écrit pas H-U-M, on écrit H-M-M. Hip, il parle des hipsters. Non, il y a le mot quoi? Il y a le mot hippie chez Littré. Vous pensiez ça? Hippie, H-I-2-P-I-E. Terme de botanique, genre de plante sinenterrée, lipie frutescente. Vous étiez à Woodstock? Oui, parmi tous ces hippies frutescents. Alors nous, on écrirait plutôt HMM,
hum, pour dire notre perception générale du monde. Mais là, ça ne doit pas exister. H-M-M. Hiverner. Nous hivernons. Il n'y a pas un temps de printemps tellement, d'ailleurs, aujourd'hui. Ho, H-O, sert à appeler, à avertir. Ho, venez ici. Ho là, ho, quelqu'un. Exprime aussi l'étonnement, l'indignation. Ho, quel coup. Nous sommes sous le coup d'un ho généralisé. H-O. Donc, il n'y a pas de H-M-M dont nous faisons un si bel usage. H-A-U, hautement. H-E-M, héréditaire. R, H-E, accent grave, R-E, pauvre R. Terme de mépris. Homme sans considération, sans fortune. Vos pareils sont misérables, cancre, R et pauvre diable. La fontaine, herbu. Alors on pourrait faire des conjonctions. Qu'est-ce qu'un R, herbu? Bon, leur histoire, où tu le mets. Héros. Héros, c'est juste après Héron. Héros vient après Héron, c'est pas trop de héros dont on a besoin. Heure. Elles ont changé ce matin. Ce que ça change. Hier. L'heure d'hier n'est pas l'heure d'aujourd'hui. I2. Hiératiquement, hiératisme. Hippocampe, nous approchons. Hipposandale. Je sais pas ce que c'est, je le saurais pas. Hirtimane, H-I-R-T-I-M-A-N-E. IC, histoire. Histoire 1. Récit des fêtes, des événements relatifs aux peuples en particulier et à l'humanité en général. Il a fallu avant toute chose vous faire lire dans l'écriture l'histoire du peuple de Dieu qui fait le fondement de la religion. On ne vous a pas laissé ignorer l'histoire grecque ni la romaine, et ce qui vous était plus important, on vous a montré l'histoire de ce grand royaume que vous êtes obligé de rendre heureux. On est dans les oraisons de Bossuet, forcément, j'en vérifie. Oui, bien sûr. Et donc, vous voyez, on est là dans... Est-ce que fin de l'histoire? Non, pas de fin de l'histoire. Fin de l'espèce humaine? Bon, depuis cette notion d'anthropocène, c'est forcément ce qu'on a sur la table. Irréversible ou pas? Avec des précédents ou pas? Fin de notre histoire, pas fin de l'histoire. Et même ces schémas de fin, c'est pas un outil intellectuel vraiment intéressant. Justement, dans la mesure où, quel que soit le devenir, la seule position à tenir est celle que ce n'est pas encore irréversible. Alors, dans cette pensée d'un anthropocène, c'est-à-dire l'homme capable de mettre en cause, de mettre en jeu sa propre disparition par l'action qu'il exerce sur ce qui l'environne, est-ce qu'on est dans un épisode de l'histoire? C'est-à-dire, est-ce que l'épisode actuel nous conduit, par exemple, à relire différemment l'histoire des grandes migrations, l'histoire des grandes pestes, la peste de Constantinople au XIVe siècle? Des choses qui sont tellement disproportionnées par rapport à notre échelle, et pourtant, on invente une échelle disproportionnée. On n'est plus dans la peste de Constantinople, on est dans... pandémie de 2020. Et cette notion de, vous savez, ces dessins caricaturaux ou dans des épisodes, dans d'autres épisodes de l'histoire, bah, on prenait son fusil, on partait, même si c'était pour aller se faire massacrer dans la guerre 14-18, et puis la grippe espagnole qu'on liquiderait encore quasiment plus que de ceux qui avaient été massacrés dans la boue des tranchées. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi avec nos livres. C'est ça qui est dans le mot histoire. Pour ça juste que je voulais qu'on les poussette. Pas les pousseter, c'est juste savoir le poids du mot et savoir en quoi le présent vient contrer ce que l'inertie du temps a déposé dans le mot. On n'y voit rien ce matin avec le temps gris d'hiver qu'il y a dehors. C'est bien lire à la lampe, comme autrefois. Ne leur a fait plus cher acheter la victoire, ni de jours malheureux, plus rempli leur histoire, Racine, Mithridate.
Tous les peuples ont écrit leur histoire quand ils ont pu écrire Voltaire. Sauf que là, on aurait de l'histoire à écrire, mais l'histoire à écrire, elle s'écrit toujours rétrospectivement. C'est pas maintenant qu'on écrit ce qui est en train de nous arriver. On cherche à tâtons, on peut documenter ce qu'on fait à tâtons, avec nos petites caméras. Je sais pas si Littré va jusqu'à Michelet, parce que nous, on utilise dans le mot histoire, évidemment, ça commence à Michelet et son récit rétrospectif de la Révolution française. J'entreprends de tracer l'histoire de la Grande Armée et de son chef pendant l'année 1812. Histoire de Napoléon, Ségur, histoire de Napoléon, histoire fabuleuse, histoire sainte ou sacrée, l'Ancien et le Nouveau Testament, histoire profane, celle des peuples païens, histoire sainte ou sacrée, l'Ancien et le Nouveau Testament, histoire profane, celle des peuples païens, histoire fabuleuse, les récits mythologiques, histoire ecclésiastique, celle des événements qui appartiennent à la religion chrétienne, histoire politique, histoire civile, celle des différents gouvernements politique. Vous voyez l'ordre dans lequel met Littré, et c'est seulement après qu'il arrive à histoire universelle, histoire générale de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas ce terme histoire en tant qu'histoire de l'espèce, mais il le met déjà à 3 ou 4 échelons derrière l'histoire ecclésiastique. Alors nous, si on devait mettre un adjectif derrière histoire, c'est plus histoire moderne, vous êtes d'accord, mais on est en manque de cet adjectif. Histoire des manques, histoire de nos manques. Histoire interne, histoire externe, la philosophie de l'histoire. 2. Absolument, l'histoire, les ouvrages historiques et les faits rapportés par les historiens. Là, il est très, vous voyez, comme il balise quand même le territoire. L'histoire ne s'accorde pas avec la poésie qui n'a pour borne que la fantaisie du poète. Rotrou. Intéressant ça. Mais un roi vraiment roi qui, sage en ses projets, sache en un calme heureux maintenir ses sujets, que du bonheur public a cimenté sa gloire, il faut pour le trouver courir toute l'histoire. Boileau, La Bruyère. Ces gens lisent toutes les histoires et ignorent l'histoire. Ça aussi, ça fait réfléchir. Ces gens lisent toutes les histoires mais ignorent l'histoire. Vous voyez? Cette tension entre les deux, comme on est dedans, nous. Il se dit absolument par opposition à la fable, aux fictions, pour vrai, au contraire de la fable qui est le récit des faits donné pour faux. Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Histoire. Et pourtant, nous, c'est peut-être ce qu'on remet en cause. En quoi la fiction nous révèle une part de l'histoire et en quoi toute histoire, dans la mesure où elle est dite et faite récit, est en partie aussi fiction. En tout cas, c'est en analysant ce qu'elle est de langage. Quelqu'un me disait hier, réagissait, étrange que pour définir homme, Littré ne convoque pas l'idée de langage. Mais pour histoire, non plus. Et pourtant, lui, ce qu'il fait, c'est œuvre de langage. Chose à comprendre, c'est pour ça qu'on va continuer. Hein. Récit d'actions, d'événements que l'on compare aux actions, aux événements de l'histoire. Et de cette victoire, apprends-moi plus au long. La véritable histoire, Corneille, le Cid. Je l'ai mal dit, hein, mais c'est pas grave. Mais vous savez trop bien l'histoire de ma vie, Mithridate. Il y a un Descartes, figuré, ne proposant cet écrit, donc le discours de la méthode, que comme une histoire ou, si vous l'aimez mieux, comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi quelques autres qu'on aura raison de ne pas suivre. J'espère qu'il sera utile à quelques-uns, sans être nuisible à personne, et que tous me seront gré de ma franchise. Mais le statut fictionnel du récit qu'est l'histoire, Descartes, lui, avait compris aussi. Je suis content qu'on trouve plusieurs fois Descartes. Tiens, il y a Buffon aussi. Description des choses naturelles, l'histoire des plantes, des minéraux, des animaux. La perdrix blanche dont nous avons donné l'histoire sous le nom de la gopède, Buffon. Vous voyez, Buffon, cet élargissement du champ d'application, du champ de pensée de ce qu'on est nous, mais ce qu'on est nous dans le contexte. C'est pas des choses qui sont si récentes que ça. Mais est-ce que Buffon l'a mis suffisamment au centre? Moi, je me souviens de Novarina, par exemple, parlant de Buffon. C'est pour ça que c'est bien de faire ça. Enfin, pour moi, hein, c'est mon petit rendez-vous du matin. Étymologie, latin historia, du grec et de bunch, dont le sens propre est information, recherche intelligente de la vérité. Tiens donc,
Et là, litré avec la chose grecque, il nous donne une piste encore. Recherche intelligente de la vérité. 14e siècle, les histoires avec un Y. Dit que Milon mangea un bœuf en un jour. 16e siècle, près de la porte, il y avait une histoire où il y avait maint riche personnage qui démontrait de gêne la victoire. Ça, c'est intéressant parce que du coup, près de la porte était une histoire. Histoire, c'est une image. Histoire, c'est un tableau. Vous voyez, 16e siècle. Et puis, c'est tout. Et donc, j'ai ma réponse. Littré considérait que Michelet était beaucoup trop contemporain pour être intéressant ou pertinent. À demain!